Que disent les augures? Des choses très intéressantes. Pour l'instant. Pour moi? Non. Pour moi. Intéressantes pour moi. Tu devrais peut-être les faire pour ton mari. Vous pourriez arrêter de jacasser tous les deux, ça gêne ma concentration. La partie n'est pas intéressée. On ne joue jamais pour rien. Ton mari gagne toujours. Et toi, tu ne gagnes jamais. Enfant déjà, tu ne gagnais jamais. Mais toi, Suzanne? Encore moins que lui. Tout le monde sait que je ne gagne jamais. Toujours pas débarrassé de tes complexes. Ton thérapeute, ce docteur Weisfelder, est un charlatan. Qu'est-ce que t'en sais? C'est pas tes quelques mois d'études qui ont fait de toi un psychologue. Tu devrais l'emmener faire un stage chez le docteur Weisfelder. Ton mari me considère incapable et totalement superflu. Je suis sûr qu'il te l'a déjà dit. C'est juste, il me l'a déjà dit. Je vous laisse avant que vous ne recommenciez à vous chamailler. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, c'est gentil. Et moi? Tu vas sortir? Oui, peut-être. Je n'en sais rien encore. Je monte dans ma chambre. Ne rentre pas trop tard. Continue la partie. Ça fait une demi-heure que ta maîtresse t'attend dans sa voiture. On continue la partie. Est-ce que Suzanne est au courant? Ça fait plus de 2 ans que ta sœur ne couche plus avec moi. Au cas où ce détail t'aurait échappé... Je t'ai demandé si tu avais mise au courant! Chantage, ça ne marche pas. Pourquoi tu ne vas pas lui dire si ça t'amuse? Tu ne méritais pas, ma sœur. C'est bon. Je me demande comment une fille comme Suzanne pouvait avoir un frère comme toi. Ça, ça m'échappe. Enfant, nous voulions nous marier. Nous avons souvent joué au mariage. Rien ne devait se mettre entre nous, rien. Pauvre type. Enfant, nous voulions nous marier tous les deux. Rien ne devait se mettre entre nous. Sylvia?
souviens? Viens! Chut. C'est la dernière fois que je viens t'attendre ici, Abby. Enfin, où étais-tu? C'est tout ce que tu trouves à dire. J'ai été me dégourdir les jambes. Ça fait plus d'une demi-heure que je t'attends dans la voiture. Tu t'en fiches. Tu savais que j'étais là. Et alors, tu ne m'embrasses pas ce soir? Est-ce que tu as parlé à ta femme? Je devais lui parler, et de quoi? Oh, dis donc, c'est pas vrai, tu te perds ma tête. Oui, ta tête, elle reste aussi. Je pensais que tu voulais te séparer d'elle. Embrasse-moi. Ça fait 6 mois que tu me l'as dit. Est-ce que tu es sincère quand tu dis que tu m'aimes? Oui, oui, je t'aime, chérie. Seulement, il y a pas mal d'argent en jeu. Tu en as déjà plus qu'il n'en faut. Ah, oui, je sais, mais est-ce que ce sera suffisant pour toi? Hein? Je vais rentrer chez moi, seule. Demain, nous y verrons déjà plus clair. Demain, nous y verrons déjà plus clair, en es-tu sûr? Oui. Debout.
Suzanne? Monsieur Wächter. Monsieur Wächter. Votre femme est morte. Vous êtes calme, très calme. Vous êtes totalement décontracté. Vous êtes calme, très calme. Vous êtes totalement décontracté. C'est exactement ce que je disais. J'essaie de travailler avec vous et vous surveillez l'heure. Je sais très bien que vous devez être au bureau à 8h30. Depuis quand me passez-vous une communication durant une séance? Docteur Weisfelder. Qui est-il, monsieur Brandner? Suzanne est morte. Vous allez me le payer, je vous le promets. Ne passez plus aucune communication. Hyman? Et pourquoi vous adressez-vous à nous? Il n'y a pas que nous comme service. D'accord. Oui, très bien, c'est noté, on y va. Allez, salut. Une femme a été retrouvée morte ce matin, une certaine Suzanne Wächter. Un suicide d'après les premiers indices. Mais il y aurait un doute. Elle flottait dans sa baignoire. Et avec un sèche-cheveux dedans. Comment l'as-tu deviné? Tu as trouvé quelque chose? Un mot? Une lettre d'adieu? Non, rien. Mais je viens juste de commencer. Tu as déjà regardé dans la boîte à fusibles? Oui. Il n'y a que les fusibles correspondant aux prises qui ont sauté. Rien à signaler sur le corps de la victime. Rien de particulier, en tout cas. Aucune trace de violence ni d'agression. Rien du tout. Il y a toujours quelque chose. Pour plus d'informations, tu devras attendre son autopsie. Je te signale quand même que le corps a été déplacé. Et on me l'a déjà dit. Et quand? La gouvernante a découvert sa patronne et a tout de suite appelé le mari. Il est allé débrancher la prise du sèche-cheveux. Ensuite, il a sorti sa femme de la baignoire et l'a posée à même le sol et il a fait une tentative de réanimation. Et il a appelé le médecin des urgences qui nous a contactés. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. J'ai envoyé le sèche-cheveux et la bouteille de shampoing au labo. Bon, très bien, Werner. Dis-moi... Est-ce que par hasard,
C'est toi qui as retourné ces deux photos? Moi? Oh mon Dieu, je me demande pourquoi je l'aurais fait. S'il te plaît, Léo, tu ne dois rien toucher sans porter des gants. Nous avons fait des photos de la victime allongée sur le carrelage. Bon, d'accord, très bien. Nous n'avons pas de café ici, et il n'y a que du thé. Ça ira. Quelle relation entretenaient les occupants de cette maison? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Vous devriez aller demander ça au frère de Suzanne. Vous l'appeliez Suzanne? Elle voulait que je la tutoie. Je n'étais pas d'accord. Mais je crois qu'elle voulait voir en moi la maman qu'elle n'avait pas eue. Pauvre petite. Pardon. Où est Monsieur Wächter? Il s'est réfugié dans son bureau. Au premier. Et tout le monde vit séparément ici. Oui. Madame Wächter avait-elle fait d'autres tentatives de suicide? Oui, la première fois, ça devait être il y a 2 ans environ. C'est son mari qui l'a retrouvée. C'était au barbiturique. Vous avez dit la première fois. En a-t-elle fait beaucoup d'autres? Non. La deuxième, il y a 6 mois. Encore au barbiturique. Là, c'est son frère qui l'a découverte. Elle était psychiquement déstabilisée. Complètement déstabilisée. Elle était malade. Vraiment très malade, je dirais. Elle suivait une thérapie chez un psychiatre. Je regrette de ne pas être monté la voir hier soir. Elle était comme d'habitude. J'irais même jusqu'à dire... sereine. Dans la salle de billard, nous étions 3. Elle, son frère et moi. Et de quoi avez-vous parlé? De quoi avons-nous parlé? Quelqu'un habite l'annexe, là-bas? Le frère de ma femme. Où est-il? Sûrement chez lui. Quelle est votre profession, Monsieur Wächter, si vous me permettez cette question? Je propose un service et mon argent à des entreprises. En conséquence, je siège dans différents conseils d'administration, ce qui n'a rien de bien particulier. Et le frère de votre femme, que fait-il? Ah, lui, ce n'est pas la même chose. Il est très branché parapsychologie. Et on peut vivre de ça? Non, 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 on ne peut absolument pas en vivre. Ma femme... lui remettait tous les mois un chèque de 2000 marques. Oh, excusez-moi, je ne vous ai même pas proposé un siège, je vous en prie. Je vous remercie. Monsieur Wächter, je dois vous poser une question assez personnelle. Aimiez-vous votre femme? On ne pouvait que l'aimer. Si vous aviez connu Suzanne, vous sauriez exactement de quoi je parle. Et pourquoi se serait-elle suicidée, selon vous? Excusez-nous. Laissez-moi vous présenter mes adjoints Hyman et Johnson. Nous avons terminé, Léo. Monsieur Wächter, votre gouvernante refuse de nous dire le nom de l'établissement dans lequel votre femme a été hospitalisée après sa première tentative de suicide. En quoi le nom de cette clinique vous concerne-t-il? Pour nous, c'est important. Oui. C'était à la clinique du docteur Breslau, à Ottobrunn. À Ottersberg. Merci beaucoup. Attendez-moi dans l'entrée, j'arrive. Richard! Demande à Peter de me rejoindre au pavillon, j'ai trouvé quelque chose. Vous mobilisez toujours autant de monde pour un suicide? Comment êtes-vous sûr que ce soit un suicide? La première fois, vous n'avez pas averti la police, pas plus que la deuxième fois d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est juste, c'est très juste. Nous voulions éviter les ennuis et nous l'avions mise dans cette clinique. Le docteur Breslau est un parent éloigné du côté de Suzanne. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça?
Nous étions obligés de garder le secret. Sinon, cela aurait été catastrophique pour nos affaires. Et aujourd'hui, si le suicide se confirmait? Il faut que je vive avec. Oui, c'est comme ça. Comme tout à chacun. Comme quelqu'un qui vient de perdre un être qui lui était cher. C'est un suicide, on ne peut pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? L'autopsie qui doit avoir lieu aujourd'hui nous en apprendra bien davantage, croyez-moi. Ça ne vous apprendra rien de plus. C'est ce que nous verrons. Bachter, j'écoute. Tu aurais pu me prévenir que tu ne venais pas au bureau. J'ai pris sur moi de dire que tu étais chez le médecin. Ils ont commencé la réunion sans toi. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne dis rien? Sylvia. Suzanne est morte. Ce matin, dans sa baignoire. Elle est morte. Je t'aime, mon chéri. Où est-ce que tu cours comme ça? Je ne cours pas. J'ai une sensation bizarre. À quoi ressemble cette sensation? Je peux pas encore l'expliquer. Une atmosphère assez étrange qui règne ici. Et si c'était juste un accident? Non, une femme sait bien qu'on ne prend pas un bain avec un sèche-cheveux branché. Elle suivait un traitement psychiatrique. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été directement dans cette clinique? Parce que je veux que nous fassions la connaissance du frère avant. Autant vous le dire tout de suite, messieurs, j'ai pris des comprimés. Je supporte très mal ce qui vient de se passer ici. Nous pouvons tout de même entrer. Comment? Non. Nous serions mieux ici. Il n'y a pas de place à l'intérieur. Vous avez pris quoi? Seulement des calmants. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Je vous remercie. Voulez-vous nous donner votre version? Ça pourrait nous aider. Je savais qu'un jour, elle réussirait. Nous ne nous sommes jamais sentis bien dans notre peau, Suzanne et moi. Je pense qu'elle était au bout du rouleau. Nous n'avons pourtant trouvé aucune lettre d'adieu. Du moins pour l'instant. Est-ce que vous pensez au suicide? À quoi d'autre voulez-vous que nous pensions? C'est-à-dire... C'est trop horrible. Bien, dites-nous ce qui s'est passé hier soir. Rien du tout. Comme toujours, si seulement j'étais monté la voir avant de rentrer. Est-ce que vous auriez une explication sur le fait que votre sœur, avant son décès, ait pris votre photo et celle de son mari et qu'elle les ait retournées de façon à en cacher les visages? Elle a fait cela. Monsieur Brander, que signifie ce « comme toujours » ? Mon beau-frère ne vous a rien dit. Il y a une chose essentielle. Ma sœur voulait demander le divorce. Il n'a rien dit. Et ce « comme toujours » veut dire... Oui,
Comme d'habitude, mon beau-frère et moi, nous avons fait une partie de billard. Ma sœur s'est fait les tarots. Nous avons eu une petite altercation et ensuite ma sœur est montée et mon beau-frère est allé dans le jardin où l'attendait sa maîtresse dans sa voiture. Et tout ça est très normal, c'est ça? En tout cas, normal pour les habitants de cette demeure. Quelles auraient été les conséquences pour votre beau-frère s'ils avaient divorcé? Qu'est-ce que j'en sais? Je pense qu'il aurait dû restituer une partie de ses investissements. Vous savez, monsieur Brander, votre beau-frère ne m'a dit aucun mal de vous. Et je dis du mal de lui. Je me préoccupe de la vérité. C'est mon métier. Le vôtre aussi, je pense. J'ai étudié la psychologie. À propos de vérité, qu'est-ce que la disparition de votre sœur va vous rapporter? Je crois que je vais hériter d'une belle somme d'argent, d'un peu plus d'un million. Le reste doit aller à une œuvre de charité. Soyez sûr que cet argent sera dépensé sans retenue, comme celui hérité de mes parents. J'hérite, quelle que soit la façon dont Suzanne est morte. Est-ce que votre sœur avait laissé un mot à ses premières tentatives de suicide? Une lettre brève? Quelques lignes? Oui, en effet, une lettre, la première fois, du moins juste un mot que j'ai subtilisé à mon beau-frère. Mais la deuxième fois, celle où c'est moi qui l'ai trouvé, il n'y avait rien. Avez-vous encore cette lettre? Est-ce que nous pourrions la voir? Oui. J'ai trouvé ça dans le pavillon derrière la maison. Oui, le pavillon était l'endroit préféré de ma sœur. Elle aimait s'y isoler. Une lettre d'adieu. Je dois m'en aller. Madame Fest sait où me joindre au cas où vous auriez besoin de moi. Et vous allez où exactement? Chez mon avocat. Je dois régler certaines affaires. Le testament, par exemple? Oui, entre autres. C'est la lettre que ma femme a écrite avant son décès? Oui. Pourrais-je la lire? Vous auriez pu me dire que vous aviez une maîtresse. Et pourquoi aurais-je dû vous le dire? Pour m'éviter de la prendre d'un autre. Vous allez me donner son nom et l'endroit où nous pouvons la joindre. Elle s'appelle Sylvia Schroeder. C'est ma secrétaire, elle est à mon bureau. Si vous voulez bien m'excuser. F 3896. Ce n'est pas indécent de mettre son nez partout dans les affaires d'une personne décédée? Si. Alors pourquoi le faites-vous? Pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Quelle tristesse. Je vous ai apporté une tasse de thé. C'est gentil. Merci beaucoup. Madame Fest, laissez-nous, je vous prie. Je crois que vous avez une visite. J'ai quelque chose à ajouter à propos d'hier. Allô, j'écoute.
Ah, tu es là, mais ça fait une heure que je laisse sonner. Je commençais à me faire du souci. Écoute, il est important que nous nous mettions d'accord sur nos dépositions. Quelles dépositions? Enfin, tu demandes quelles dépositions, mais parce qu'ils savent que tu es ma maîtresse. Son frère l'a dit. C'est évident, voyons. Non, dis-moi. Quand j'ai quitté la maison hier soir, tu n'étais pas dans ta voiture. Pardon? Mais tu es devenu complètement fou. Je ne veux pas être mêlée à cette histoire. Quelque chose? Non, merci. Qu'attendez-vous de moi exactement? Vous devez savoir ce qui s'est passé ici hier soir. Oui. Quel rapport avec moi? Vous avez souvent travaillé pour mon beau-frère. Ma sœur me l'a dit. Et vous ne croyez tout de même pas que j'ai eu une attitude déloyale? Vous ne savez même pas ce que j'attends de vous. Je crois avoir deviné ce que vous voulez. Hier soir, votre sœur a mis fin à ses jours. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est bien un suicide? Et c'est également ce que vous voulez savoir. Vous ne faites pas confiance à la police. Vous croyez que Kress ne prouvera rien? Au contraire. Juste. Derrière la maison, il y a ce pavillon dans lequel on a retrouvé une lettre de ma sœur. Curieux endroit pour ce genre de lettre. Vous savez que tout a son prix. N'ayez aucune crainte, vous serez payé. Quand la police aura libéré les lieux, je prendrai le relais. Et sur les résultats de l'autopsie, ils me les envoient par fax. Heure probable du décès, 22h30 environ. Cause, arrêt cardiaque dû à une électrocution. Aucune trace ni signe de violence, état physique de la défunte, etc., etc. Le rapport complet après. Oui, merci beaucoup, c'est noté. Salut. L'homme dans la voiture stationnée devant la villa tout à l'heure, c'est le docteur Westfelder, le psychiatre et psychothérapeute de Suzanne Wächter. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Dites donc, vous ne trouvez rien de bizarre dans ce rapport? Non. Mon cher mari, je voudrais t'écrire toute ma tendresse, mais je ne peux pas. J'ai cherché en vain l'être avec lequel j'aurais pu être heureuse, et je ne pense pas que je le trouverais sur Terre, sauf peut-être mon frère. D'accord, je ne suis pas certaine. Je pense que j'ai adoré, mais... Johnson, j'écoute. Oui, faites-le monter. Oui. Le docteur Westfelder arrive. Et je pense avoir adoré mes parents, mais ce n'est peut-être là encore que le fruit de mon imagination. Bonne chance à vous deux. Prends soin de mon cher frère, ta Suzanne. Et c'est daté du 1er juin, il y a 2 ans. Commissaire, le docteur Westfelder. Entrez. Westfelder. Johnson, bonsoir. Bonsoir. Kress. Hyman. J'ai appris ce qui est arrivé. Venez. Je suis... Madame Wächter suivait une thérapie chez moi. J'ai appris ce qui était arrivé par les journaux. Oui, vous pourriez peut-être nous aider à mieux comprendre. Je suis bien entendu lié par le secret professionnel. Bien entendu. Aussi, je vais vous poser des questions en rapport avec les liens qui unissaient Suzanne et son frère. Quelle était la situation exacte? Suzanne avait 15 ans et son frère 10 lorsqu'ils ont perdu soudainement leurs parents dans un accident de voiture. Que vouliez-vous qu'il leur arrive? Ils sont devenus très riches. Lui, M. Brander, est devenu un égocentrique chronique. Et elle... C'est absolument adorable, mais désespéré par la vie.
Est-ce une lettre d'adieu de Suzanne? Oui. Je peux la lire? Ah non, je suis désolé, docteur Weisfelder, pas encore. Vous avez certainement une bonne raison d'être venu nous voir. Vous seriez de toute façon venu me voir à mon cabinet. Avez-vous trouvé son journal? Est-ce qu'elle en tenait un? Ça, je l'ignore, peut-être. Elle était en traitement depuis des années. Je suppose que vous devez bien savoir si Madame Wachter tenait un journal. Docteur Weisfelder, pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Brandner m'a menacé de me faire payer la mort de sa sœur, ce qui ne m'étonne en rien. Vous a-t-il dit qu'il me tenait pour l'amant de sa sœur? Non, pas du tout. Et il avait tort ou raison? Je vous pose la question. Est-ce que vous étiez l'amant de Madame Wachter? Non. Je sais que c'est la mode du moment que les médecins aient une liaison avec leurs patientes, mais ce n'était pas le cas. En fait, c'est une pratique dépassée. Nous serait-il possible de continuer cet entretien demain chez moi? Et si nous trouvions effectivement un journal? Vous seriez alors au courant des rapports incestueux de Suzanne avec son frère. Au cas où ça deviendrait trop ardu, j'essaierai d'obtenir le procès verbal des aveux. Vous abandonnez l'idée du suicide? Je crois de plus en plus à un meurtre, docteur. Au revoir, messieurs. Est-ce que j'ai bien compris? Tu ne songes pas sérieusement au meurtre, quand même. Il y a du nouveau de mon côté. Et cela va dans ce sens. Monsieur Brander m'a raconté que la maîtresse de Monsieur Wachter n'était pas dans sa voiture quand il est sorti de la maison. Et quoi d'autre? C'est spécialement pour toi, Léo. Ton vieil ami, Horst Brigant, a rendu visite à Monsieur Brander. Et tu as demandé à Brander quelle en était la raison? Tu ne penses pas sérieusement qu'il me l'aurait dit? J'ai appelé Madame Brigant. Elle m'a seulement dit que son mari irait à la pêche au même endroit et à la même heure qu'autrefois. Merci, Werner. À mon mari et à mon frère, c'est définitif, cette fois, personne ne pourra me sauver. Je suis désolé, mais je ne supporte plus cette vieille terre. Je veux disparaître très, très loin d'ici. Suzanne. Aucune date. Tiens, compare les écritures, tu n'as qu'à prendre ce paquet de lettres. Autre chose, ce n'était pas sur le fax, mais je pense que c'est important. Suzanne Wachter s'est lavé les cheveux juste un peu avant sa mort. Où est-ce que tu vas? Je rentre dormir. Bonjour. Je pensais que tu viendrais plus tôt. J'avais des heures de sommeil en retard. Riedman t'a vu? Oui, moi aussi, je l'ai vu. On est à égalité, Kress. On ne te manque pas un peu? C'est une question à ne pas me poser. Je te la pose quand même. Ça fait deux fois que je raccroche. Ma femme dit que la troisième sera la bonne. Je voudrais savoir autre chose. Qu'est-ce que Brander te voulait? À sa place, qu'est-ce que tu me voudrais? Ah, tu dois découvrir que le suicide est bien un meurtre et que c'est le beau-frère qui est le meurtrier. On peut définir la chose comme ça. Tu veux que je te dise? Ce type est son beau-frère. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Alors, tu ne m'as pas dit, tu as accepté ou non? Qu'en penses-tu faire sauter les scellés des portes des trois pièces utilisées par Suzanne? La chambre, le bureau et la salle de bain. Je pense libérer aujourd'hui à midi. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Horst, tu devras te débrouiller tout seul. Compte pas sur mon aide. Tu peux en être sûr. Ha, 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 ha.
pavillon, tu sais, celui où vous avez trouvé la lettre. Eh ben, qu'est-ce qu'il a ? Ça n'a jamais été l'endroit préféré de Suzanne Wächter. Parle avec la gouvernante. Tiens, je te fais cadeau du tuyau. Tu ne diras pas à Brander que nous nous sommes parlé ? Non, et toi ? Bon, faut que j'y aille. Tu vois, Léo Kress, toute la différence est là. Maintenant, je n'arrête de pêcher que lorsque j'en ai envie. Dans ce cas, bonne pêche. Monsieur Wächter, nous cherchons Madame Schroeder. Votre secrétaire. Ou votre maîtresse, si vous préférez. Monsieur Wächter, où est Madame Schroeder? Elle est partie il y a une heure. Fini. Elle a dit qu'elle me laissait tomber. C'est la seconde catastrophe pour moi. Nous comprenons ce que vous ressentez. Non, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai toujours voulu un enfant. Si jamais elle fait souffrir l'enfant, je la tue. Écoutez, monsieur Wächter, nous allons faire comme si nous n'avions pas entendu. Ouais, ouais. Excusez-moi. Il nous faudra son adresse, monsieur Wächter. Pas la peine, elle y est pas. Donnez-nous quand même son adresse. Robert Mühlenstrasse, 74. Je vous remercie. Aujourd'hui a eu lieu l'ouverture du testament. Mon beau-frère hérite de l'intégralité de la fortune de ma femme. Il veut que je sorte toutes les liquidités que j'ai mis des années à faire fructifier. Et ça, c'est la troisième catastrophe. Monsieur Wächter, lorsque vous êtes sorti de la maison pour aller rejoindre votre maîtresse, oui. Alors? Était-elle dans sa voiture? Non, elle en était descendue, elle n'était pas dans sa voiture. Pourquoi? Elle se dégourdissait les jambes dans le jardin. C'est ce qu'elle a dit. Savez-vous où elle est à l'heure actuelle? Oui, c'est-à-dire non. Sa voisine m'a dit qu'elle allait à Francfort. Peut-être en Italie. En tout cas, elle s'en allait loin d'ici. En voiture. Connaissez-vous le numéro d'immatriculation? Et quelle est la marque de sa voiture? Une Porsche. Immatriculée Munich LR 51 65 5 et 1 6 5. Merci. Je comprends plus rien. Mon beau-frère, vous a-t-il dit qu'il m'a fait du chantage pour 100 000 marques pour ne rien dire à Suzanne? Non, il ne nous a rien dit. Au revoir, monsieur Wächter. Rentrez chez vous, je n'ai plus besoin de vous aujourd'hui.
Je sais, rentrez chez vous. Oui, Weisfelder. Je croyais que vous veniez. Comment? Non, non, c'est juste une psychose. Cela demande du temps. Oui, 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 nous vous rappellerons. C'est ça, au revoir. Ce type est complètement au bout du rouleau. Et pour quelle raison? Gert et Henri sont là. Dis-leur de m'attendre, j'arrive tout de suite. Non, je ne peux pas parler maintenant. Ah, je voulais vous dire au revoir. Monsieur Brander m'a donné mon congé. Monsieur Brander? Oui, oui. Monsieur Wächter est passé en coup de vent. Il a préparé ses valises et il est parti. Il ne m'a pas dit où. Il prenait un avion. Un avion? Oui, oui, ça fait déjà bien 2 heures de ça. Voici un acompte. Comment sont les lettres que je dois retrouver? Que contiennent-elles? Vous pourriez m'aider un peu quand même. Ce qu'elles contiennent? Je ne connais que le contenu de la première. Elle ne connaît personne avec qui elle puisse être heureuse, sauf peut-être avec moi. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Bon, je fais quoi si votre beau-frère me trouve là? Vous ne risquez rien. Et pourquoi donc? Il est parti. Vous êtes sûr? Oui, il a fait ses valises, je vous dis. J'ai congédié Madame Fest. Si vous avez besoin de moi, je pense être de retour dans à peu près 3 heures. J'étais sûr que tu viendrais par ici. Eh ben, t'es pas sorti de l'auberge. Je n'aime pas quand c'est trop facile. Oui, je sais, ta patience te sauvera. Ce sont les joies du boulot. Mmh. Est-ce que tu me permets de jeter un petit coup d'œil à ton paquet? Si jamais je fais ça, Cress m'arrachera les yeux. Il y a peut-être des lettres d'adieu. Non. Cress les a dans son bureau. Et que comptait-elle trouver dans le pavillon? À quoi elle ressemblait? Bien, les deux enveloppes sont blanches. Blanches toutes les deux? Oui, une des feuilles est aussi blanche. Une feuille blanche? Oui, mais l'autre, la seconde feuille, est bleue. La seconde bleue. Le reste, tu le demanderas à Cress? Disons, je trouve que tu poses un peu trop de questions pour un privé. Pourquoi Brander veut-il nous convaincre que le pavillon était l'endroit préféré de sa sœur? C'est bizarre, ça. Merci, merci beaucoup. Monsieur Wächter s'est envolé pour Zurich. Son bureau n'était même pas au courant. Qu'est-ce qu'on fait, Léo? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne répondez pas au téléphone? Monsieur Brander ne vous a pas dit ce que je faisais ici? Si. Mais c'est tout de même bizarre. La police a déjà fouillé toute la maison. Je me demande ce que vous cherchez tous. Et puis, la pauvre âme ne trouvera jamais la tranquillité. Madame Wächter ne jetait jamais rien, n'est-ce pas? Exact. Elle aurait aimé tout conserver. Et aujourd'hui, ça ne lui sert plus à rien. Ces lettres, elle les écrivait sur des feuilles de couleur qu'elle utilisait par période. Rouge, jaune, blanc, vert. Qui est-ce qui vous a dit ça? Quand s'est-elle servie de cette couleur? Du bleu. Le bleu, il y a 6 mois environ. Un peu avant sa deuxième tentative de suicide. Ensuite, elle a changé de couleur. Le rose. Ou plutôt, rose saumon. Et? Elle n'écrivait plus que sur du papier rose.
Tu aurais pu au moins nous appeler. Eh oui, mais oui. On t'aurait aidé à tout transporter. Tu as rencontré Horst Brigant? Bien sûr. L'analyse du labo confirme que les écritures sont identiques. Dis-moi, est-ce qu'il t'a posé des questions? Il voulait savoir à quoi ressemblaient les lettres, la couleur et le contenu. Et tu lui as répondu? Eh bien, que les couleurs étaient le blanc et le bleu. Ah, ça c'est la meilleure. Des lettres non expédiées, écrites par Suzanne Wächter à son thérapeute, il y a une huitaine de jours. Eric, je n'en peux plus, et si tu ne me sors pas de ce milieu de démons, j'irai porter plainte contre toi, et cela sera la fin de ton règne, Suzanne. Elle était son esclave. Je présume qu'il y a des gens qui ont été moins touchés par la menace de la destruction de leur existence qu'elle, quand même. Quand je dis que tous les psychiatres sont plus malades que leurs clients. Werner, je veux savoir exactement ce que Horst voulait. Je te l'ai déjà dit, Léo. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Eh bien, qu'il y a deux lettres d'adieu, la première qui est blanche et la dernière qui est bleue. Et que les deux enveloppes sont blanches. Ah, et ces derniers temps, elle n'écrivait que sur du rose. Regardez, Brander, ce que j'ai trouvé. Lâchez cette arme, vous êtes ridicule. J'ai trouvé une enveloppe intéressante à mon frère et mon mari. Le problème, c'est qu'elle correspond à une lettre datée du 6 janvier. Vous avez repris la lettre d'adieu de la deuxième tentative de suicide de votre sœur qui remonte à environ 6 mois pour la faire réapparaître dans une enveloppe blanche. Parce que le bleu n'était plus la couleur du jour. Vous êtes allé trop loin, Brigand. Vous êtes allé un peu trop loin. S'en tirer. T'inquiète donc pas pour ça, il s'en sortira. Alors, regarde dans ma poche de veste, à la poche droite. Tu pourras lui rendre. J'ai pas fait un très bon travail. Tu étais formidable au contraire. Pas pour lui. Pas pour lui. Il voulait être le maître du château. Voilà ce qu'il voulait, Brander. Ce type est un vrai psychopathe. Il voulait m'engager pour savoir s'il avait commis des erreurs. C'était pas son problème que tu enquêtes sur le suicide ou la mort. Non. Il voulait que je trouve les erreurs qu'il avait commises. Et là, après m'avoir tué, eh bien, c'était tout simple. Il n'avait plus qu'à effacer les preuves qu'il avait tué sa sœur. «
ça t'a pas gêné que la dernière lettre soit écrite sur un papier bleu dans une enveloppe blanche? Si. Seulement, je n'ai pas fait le rapprochement immédiatement. Le style est essentiel. Pour cette femme, le papier et l'enveloppe tombent sur tout. Oui. La première lettre d'adieu avait été écrite blanc sur blanc. La deuxième, bleu sur bleu. Et c'est justement celle-là, la bleue, que Brander a mis de côté pour s'en servir après avoir tué sa sœur dans sa baignoire. Seulement, plus question d'utiliser l'enveloppe bleue. Il l'avait déchirée. Et il a tout bêtement pris une enveloppe blanche. Manque total d'imagination. Et je ne m'en suis aperçu que lorsque j'ai appris qu'elle le prenait. Depuis 6 mois, du papier et des enveloppes roses. Tu es le meilleur, je l'ai toujours dit. Et Wächter, pourquoi il s'est sauvé au fait? Lui? Oh, il est allé à Zurich rejoindre sa secrétaire.